Madame le maire de Paris, chère Anne, merci d'être présente, ça me touche beaucoup. Cher Patrick Ollier, Maurice, le ministre, parler du Grand Paris, pour moi, c'est une grande émotion. Parce que lorsque nous avons lancé le Grand Paris, les sceptiques, les critiques, on est en France, les moqueurs étaient beaucoup plus importants que ceux qui y croyaient. On mettait ce Grand Paris sous le compte d'un président de la République hyperactif qui aimait parler, mais sur un projet qui ne verrait jamais le jour. Moi, j'étais sûr que ce projet était fort, voire historique, et au fond, c'est peut-être la chose la plus importante de mon quinquennat, cher Christian, qui reste aujourd'hui. C'est d'ailleurs toute la difficulté de la politique. Les agendas des responsables politiques sont bondés du matin au soir pour une activité dont il ne restera rien. Absolument rien. Vous arrivez chez vous le soir, exténué, vous avez vu 90 personnes, vous avez fait 8 déplacements, vous avez vraiment le sentiment de faire votre travail, et 2 jours après, il n'en reste rien. Donc c'est une grande preuve de modestie d'ailleurs, on ne sait pas ce qui, dans son mandat, va résister à l'épreuve du temps, donc à l'épreuve de l'histoire, ce qui comptera vraiment ou ce qui était simplement de l'actualité. L'actualité, c'est rien. Elle est remplacée par ce qui vient après. Le Grand Paris, c'est le contraire de l'actualité. Le Grand Paris, c'est une vision. Alors, pourquoi le Grand Paris ? D'abord, quand j'en parle la première fois en 2007, c'est parce que je suis frappé que, grosso modo, depuis les années 60 et Paul Delouvrier, et c'est une critique de personne, hein, surtout Patrick, il n'y avait plus eu un seul véritable grand chantier structurant, non seulement à Paris, mais en région parisienne. Pardon de dire ça. Et bien sûr, il y a des maires, notamment les maires de Paris, qui ont fait des choses. Je ne dis pas ça. Mais au regard de la conurbation de 8 à 12 millions de personnes, selon le calcul que l'on fait, il n'y avait plus eu de geste structurant. Et c'était quand même intéressant de voir une France hyper centralisée autour de son cœur et de sa capitale, qui était un désert en termes de nouvelles infrastructures ou de chantiers de grandes ambitions qui dépassaient les frontières d'une commune, fût-ce les frontières de Paris. Je pensais que c'était une erreur historique. Et toute personne qui voyage voyait Shanghai, voyait Doha, voyait Dubaï, voyez toutes les grandes capitales en Australie ou ailleurs se transformer avec des gestes architecturaux majeurs. Et chez nous, dans cette capitale Paris qui est la plus belle ville du monde, dans cette agglomération parisienne censée tirer le pays, Christian, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, s'il n'y avait rien, ce n'était pas pour des raisons étranges. C'est parce qu'il ne pouvait rien avoir, car le pouvoir était si explosé en tant de responsables différents et les réglementations si rigides que personne ne pouvait rien faire. Ce n'est pas qu'on avait décidé de rien faire, c'est que c'était, au sens littéral, inhumain de faire quelque chose, en tout cas à l'horizon d'un mandat, fut-il un mandat municipal. Je me suis dit, mais c'est fou. Donc on va essayer de bouger cela. Puis la crise est arrivée, la première, la crise stratosphérique de 2008. Et là, au sortir de la crise, je me suis dit, soit on meurt tous, soit on réagit. Mais on ne peut pas se retrouver dans la situation de profonde dépression dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là.
la dette avait explosé déjà, la crise de confiance était massive, l'économie était exsangue, et le monde entier était stupéfait du choc qu'il avait reçu, que l'économie mondiale avait reçu, sans d'ailleurs savoir d'où venait ce choc. Parce que tout le monde parle de Lehman Brothers, mais enfin, c'était Lehman Brothers, l'allumette, mais on ne comprenait pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est le temps non seulement d'aller sur le Grand Paris, mais de lui donner une ampleur, une vitesse, une existence, parce que la crise est toujours une opportunité. Et c'est la première idée que je voudrais défendre devant vous. Je crois au grand projet. Il n'y a pas un pays qui puisse construire son avenir sans grand projet. Et d'ailleurs, il y a des témoins dans la salle, cher Ram, faisant fi de nos différences politiques. J'ai toujours soutenu la Tour Triangle, y compris contre l'avis de certains de mes propres amis. Parce que je trouvais que ce grand geste architectural, à un endroit dont on ne peut pas dire qu'il était le plus beau de Paris, avec vue imprenable sur le périphérique, je pense que ce qui était l'erreur, c'est de rien faire, pas de faire cela. J'ai été pour cela. Et vous savez très bien que sur Roland-Garros et sur tant d'autres sujets, je pense profondément qu'il n'y a pas de ville prospère, de pays prospère, de ville heureuse, de pays heureux, sans proposer à la population de se mobiliser autour d'un projet plus grand qu'eux-mêmes. Ce n'est pas simplement une question d'ego, ce n'est pas simplement une question d'ambition mal placée. Chacun a besoin d'espérer. Et je vais vous faire une révélation, on n'espère pas sur ce qui est tout petit, on espère sur ce qui est plus grand, on espère sur ce qui est plus large, on espère sur ce qui fait rêver, non pas simplement sur ce qui est le quotidien, commun, lassant, ennuyeux. Et d'ailleurs, vous les élus, si vous êtes élus, c'est bien sûr pour gérer le quotidien, mais c'est d'abord pour porter une vision de la ville ou du territoire que vous conduisez. Or, cette vision, forcément, elle va aller au-delà de vous, au-delà de votre mandat, au-delà de votre personne. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans grand projet. Et j'en tire d'ailleurs la conclusion que le Grand Paris, pour moi, son futur, il s'appelle le Grand Marseille, il s'appelle le Grand Lyon, il s'appelle le Grand Lille. Dans mon esprit, le Grand Paris n'a pas vocation, n'est-ce pas, Christian, à être simplement l'avenir de la capitale. C'est un modèle, c'est une ambition. Si aujourd'hui, je devais faire une proposition, je dirais qu'il est capital qu'on fasse le Grand Marseille avec un thème que je propose, faire de Marseille la capitale culturelle de la Méditerranée. C'est le moment. J'ai voulu le MUCEM à Marseille, qui est un succès, en pleine crise. Personne n'en voulait. Eh bien, la culture, l'art, doit pas être victime de la crise, puisqu'ils sont la réponse à la crise. L'avenir de Marseille, c'est ça. Et le Grand Paris, cher Patrick, cher Anne, a besoin de se nourrir de projets aussi ambitieux à leur dimension, d'autres villes. Le Grand Lyon, notamment dans sa liaison avec l'Italie. Le Grand Lille, avec le Seine-Nord. Et donc, je voulais que derrière le Grand Paris fleurissent d'autres grandes ambitions pour des villes qui ne sont pas la capitale de la France, mais qui ont un rôle moteur pour l'économie française. C'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on propose à Marseille de construire 3 nouveaux musées, des salles de spectacle, des lieux de rencontre et d'échange qui irrigueront toute la Méditerranée. Je voudrais d'ailleurs dire une autre chose. Le Grand Paris n'est pas une dépense, c'est une recette. Si on voit le Grand Paris comme une dépense, on ne fera jamais rien. Si on attend d'avoir l'argent pour faire un investissement, vous pouvez attendre longtemps, car il n'y a jamais d'argent. Et je vais vous dire une chose très simple que je crois au plus profond de moi-même, c'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le projet.
je vous demande de réfléchir à ça. C'est plus intelligent qu'il n'y paraît à premier abord. Je reconnais, oui, oui. Malgré le masque, je vois votre œil pétillant. Et c'est pareil pour les entreprises comme pour les collectivités. Jamais il y a l'argent. Jamais on arrive avec une réserve en disant, dites donc, il y a ça à dépenser, qu'est-ce qu'on fait les amis ? L'économie du Grand Paris, du Grand Marseille, du Grand Lyon, ce que vous voulez, c'est de créer les conditions de la croissance de demain. Je voudrais d'ailleurs à ce moment de mon propos dire une chose. Je suis frappé de voir la faiblesse de la réflexion en théorie économique avec cet élément majeur et d'une brutalité immense, d'une valeur monétaire à zéro, voire négative. On ne peut pas réfléchir à la question de la dette avec une monnaie qui a une valeur négative ou une valeur zéro, comme on y réfléchissait à l'époque où ma pauvre mère s'endettait à 17% pour acheter son propre appartement. Pour la première fois, on assiste à quelque chose d'assez insensé. Certains déposent de l'argent et payent pour que des banques gagnent cet argent, gardent cet argent. Donc, s'il y a bien un moment où la question de l'endettement ne devrait pas se poser, c'est maintenant. Excusez-moi, je le dis au président de la tribune, on ne va pas poser la question de s'endetter quand l'argent est cher. La question de l'endettement, c'est quand sa valeur est à zéro. Ah, on me dit oui, mais alors, en disant ça, tu es irresponsable parce qu'il va falloir rembourser cette dette, certes. Mais mes chers amis, pour la rembourser, il faut avec cet argent faire des investissements qui créeront les conditions de la croissance qui permettront demain de rembourser la dette. Car si vous empruntez et vous ne faites pas ces investissements demain, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, quand les taux d'intérêt remonteront, si vous n'avez pas créé les nouveaux moteurs de la croissance, vous ne rembourserez pas votre dette. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc la question n'est plus le montant de la dette, la question est l'usage de la dette. Enfin, je reconnais, c'est très élaboré, et c'est pas du tout à la mode, mais j'y crois profondément, enfin, peu importe. Que vous soyez à 100% ou à 180%, je crois que le Japon est à près de 200% de dette par rapport à son PIB, je ne crois pas que ça empêche le Japon d'être la deuxième économie du monde. Donc, tout l'argent levé par la Société du Grand Paris pour investir, c'est cet argent qui permettra de rembourser la dette demain parce que vous créez les conditions d'une croissance. Et au fond, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus cher de ne rien faire, d'attendre que le ciel vous tombe sur la tête, que de mettre en œuvre un projet de cette nature. La troisième chose, c'est que, enfin, je suis désolé, c'est peut-être décousu ce que je dis, mais sur un sujet pareil, je ne veux pas faire un discours, je vais essayer de faire partager une conviction. Je ne suis pas là pour vous séduire, je suis là pour vous convaincre. Il faut choisir, séduction ou conviction. J'ai choisi conviction. À partir de ce moment-là, ce qui trahit l'esprit du Grand Paris, c'est de limiter son ambition. Parce que si vous faites un moyen Grand Paris ou un petit Grand Paris, vous aurez tous les inconvénients des dépenses et aucun des avantages de l'ambition. Et c'est très, très important. Enfin, on va dire, c'est plus facile pour vous parce que maintenant, vous voyez ça du bord de la Lune. Non. Le Grand Paris, c'est fait pour être large, pour être vaste. Si vous le réduisez, vous vous trompez et vous trahissez la philosophie du Grand Paris, et le Grand Paris ne répondra pas aux attentes de la population et des élus. Donc à chaque fois qu'on me dit « Non, non, c'est trop grand », me dit « Il n'a rien compris ». Alors, il y a deux manières de réduire l'ambition du Grand Paris. La première, elle est évidente, on coupe des projets. Il m'arrive de voir que parfois ça commence. Et la seconde, elle est plus pernicieuse, mais très dangereuse, elle est dans l'étalement du calendrier. Parce que c'est trop facile. Vous étalez le calendrier, à l'arrivée, vous mettez 25 ans à faire ce qui pourrait en mettre 5, et si vous avez envie d'être convaincu,
prenez un billet d'avion pour aller rejoindre Maurice Leroy, allez à Moscou, et vous verrez comment on transforme une ville par le Grand Moscou, avec une rapidité stupéfiante. Je ne suis pas en train d'expliquer que M. Poutine est ceci, M. cela. Je dis simplement, regardez les faits. Le reste, chacun peut avoir son opinion. Mais quitte à investir dans le Grand Paris, il faut investir tout de suite, il faut investir massivement et il faut investir rapidement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez? Que les taux d'intérêt remontent un jour? Pour qu'on vous dise à ce moment-là que c'est trop tard et que vous ne pouvez pas emprunter et que vous ne pouvez pas financer? Ça n'a pas de sens, sans compter la lassitude des populations à partir de ce moment-là. Et il est évident, et je le dis depuis le début, et c'est déconnecté de toute arrière-pensée politique, vraiment que je n'ai plus. Mais que, par exemple, il faut de toute urgence engager le TGV Le Havre-Paris, parce que Le Havre, c'est le port de Paris. Je ne porte pas du tout atteinte. Ce n'est pas que le port de Paris, naturellement. Bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Bon. Mais quand vous voyez le blason de Paris, il y a un bateau. Bon. C'est pas simplement la Seine. D'ailleurs, la Seine, elle se jette quelque part. C'est quand même pas une énormité que de dire cela. Or, le port de Paris, l'alimentation, la fourniture en marchandises de toute la conglomération parisienne, la grande région parisienne, ça vient du Havre. Donc, faire le TGV, le Havre-Paris, c'est un investissement majeur. Mais je pense la même chose quand j'ai voulu le TGV Paris-Bordeaux, qui met Bordeaux à 2h15 de Paris et qui a fait augmenter, exploser le prix de l'immobilier. Mais pour moi, ce n'était pas la fin. Je me souviens des batailles homériques avec Madame Royal ou M. Juppé, parce qu'il manquait 20 millions. Et j'ai dit, ça m'est totalement égal. Parce que, excusez-moi, maintenant que le TGV est fait, qui va me dire que j'ai pris un risque parce qu'il manquait 20 millions? Il y a quelqu'un qui va se plaindre du TGV? Mais moi, je vous dis une chose, le TGV doit aller jusqu'à Toulouse. C'est insensé que le Toulouse n'ait pas le TGV. Le TGV doit aller jusqu'à la frontière avec l'Espagne et jusqu'à Biarritz. D'ailleurs, si on a vraiment une conscience écologique et qu'on veut diminuer le trafic aérien, qu'est-ce qu'on a? On n'a qu'à dire tout simplement qu'il y a le TGV, et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de la navette Toulouse-Paris, puisqu'il y a le TGV, comme vous n'avez plus besoin de la navette Bordeaux-Paris, enfin, puisqu'il y a le TGV. De la même façon, pour Rennes, moi j'avais arrêté le TGV à Rennes, maintenant il faut certainement le poursuivre jusqu'à Brest. Alors vous allez me dire, mais il sort du sujet. Non, c'est le même sujet. Est-ce que nous sommes les gestionnaires du quotidien quand nous sommes élus, ou est-ce que nous sommes porteurs d'une vision pour l'aménagement du pays? On me disait, moi je suis très européen, bon, chacun ses défauts, Strasbourg est la capitale de l'Europe, parfait. C'était tellement la capitale de l'Europe qu'il manquait 125 km pour le TGV. Donc on ne pouvait pas aller à Strasbourg. Il y avait 2 avions par jour et le TGV s'arrêtait à 125 km. On a fini. Qui aujourd'hui me le reproche? Qui aujourd'hui va dire, cher Christian, cette dépense-là, il ne fallait pas le faire? Parce que chacun d'entre nous, nous devons porter une vision, une ambition. Et s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition. Parce que, qu'on le veuille ou non, les infrastructures, c'est le squelette de la vision. Tout n'est pas dans le quotidien, pardon, dans la proximité, dans le sourire, dans la poignée de main, dans la tape dans le dos, dans la politique, dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, mais qui doit être complété par une vision et par une ambition. Donc, le Grand Paris doit porter cette ambition, on ne doit pas renier ses ambitions, et comme de surcroît, il y a les Jeux Olympiques. Quand j'entends dire que certaines lignes seront finies 2 ans après les Jeux Olympiques, je me dis, mais pourquoi vous faites les Jeux Olympiques alors? Pardon, enfin, moi je suis à fond pour les Jeux Olympiques. Je suis à fond pour le Tour de France. Et je suis à fond pour les sapins de Noël. Il ne faut pas être plus démodé. Bon. Mais les Jeux Olympiques, quand la maire de Paris m'a demandé d'aider pour la candidature, je ne me suis pas dit, oh là là, année socialiste, je ne le suis pas. J'ai dit, mais c'est un événement qui nous transcende tous. Allons-y ensemble. C'est une occasion de rencontre, c'est une occasion de partage, c'est une occasion d'ouverture mondiale.
alors qu'on ne parle que des oppositions entre les uns et les autres, il faut bien qu'il y ait un événement qui nous transcende tous. C'est le Grand Paris aussi, cher Christian. Parce que s'il y a les Jeux Olympiques en 2024, c'est l'occasion de terminer cette première partie, j'en dirai un mot, du Grand Paris, Patrick, et d'être prêt, pas de se dire, on va être prêt 2 ans après. Mais alors dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de faire venir des millions de gens et de faire cet événement, sans compter que le retard accroît le coût. Enfin, et j'y crois beaucoup, même si c'est un sujet très sensible, la question du beau, c'est une question passionnante. Et on dit n'importe quoi sur le sujet. Le beau, c'est subjectif. Et je le vois bien dans le regard de ma femme. C'est subjectif. Bon. Mais c'est pas parce que c'est subjectif qu'on n'a pas le droit d'en parler. Est-ce que je me fais comprendre ? Or, le beau, a disparu du débat public au profit du légal et du réglementaire. Là aussi, je vais prendre mes responsabilités et dire ce que j'en pense. Je trouve que le projet de la tour Montparnasse est formidable. Je n'ai aucune arrière-pensée politique. Je dis simplement que augmenter de 30% la capacité en mètre carré de la tour Montparnasse pour en faire l'une des plus belles tours du monde, ça valait le coup de mettre 30% de mètre carré en plus. Parce que s'il n'y avait pas cette augmentation de mètres carrés, il n'y aurait jamais la réflexion de la tour Montparnasse. Dire ça, ce n'est pas prendre parti pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. C'est simplement poser la question du beau. Le beau est subjectif, ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Et j'avais voulu, Christian, tu le sais bien, que le Grand Paris soit d'abord le Grand Paris des architectes. Moi, j'adore l'architecture. Je suis un passionné d'architecture. Et l'architecture, c'est certainement l'un des arts les plus nobles qui existent, parce qu'il est gratuit, parce qu'il est accessible à tous, et parce que vous voyez l'architecture, vous n'avez pas besoin de rentrer dans un musée. Et moi, je ne peux pas supporter l'idée que les gestes architecturaux majeurs se passent en dehors de chez nous et plus chez nous. Donc chaque fois qu'il y aura... Alors après, on peut aimer, pas aimer. Moi, je suis aussi pour les tours triangles à la Défense. Vous voyez comme j'aggrave mon cas. Mais quelle est la fidélité à son époque ? On est fidèle. Enfin, le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. Notre génération, qu'est-ce qu'elle va rester ? Qu'est-ce qu'elle va livrer ? Si on n'a pas un geste architectural qui témoigne de notre époque, une ambition architecturale, et si on ne la fait pas à Paris, où est-ce qu'on la fera ? Donc les architectes, le débat passionné sur l'architecture, quand M. Mitterrand a fait la pyramide de Peille, moi, j'ai aimé le débat, très violent à l'époque, sur cette pyramide. Mais le débat, c'est la démocratie. Ça ne me gêne pas, moi. Il y avait des pour, il y avait des contre. La flèche de Notre-Dame, il y a des pour, il y a des contre. Mais ce n'est pas gênant. Au contraire, ça vivifie notre démocratie. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce que j'aime pas, moi, c'est les faux débats. Par exemple, on vous pose une question. Il y avait un jour dans un journal... Pour ou contre les tours ? Ça alors ? Moi, je suis pour les belles tours et je suis contre les tours qui sont laides. Le débat sur la densité, je vous en supplie de comprendre ça, n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous préférez ? La densité de Manhattan ? La densité de l'île Saint-Louis ? Où les rues font 4 mètres ou 5 mètres de large, où le mitage qui existe, parfois dans les départements d'outre-mer, hein, si vous voyez ce que je veux dire, où la ville, à défaut d'avoir été structurée, s'étale partout, bouffe tous les espaces qui devraient être laissés à l'agriculture, parce que ce que vous ne donnez pas en densité, vous le donnerez en surface. Donc, c'est absurde de dire qu'il faut dédensifier. Peut-être dans certains cas, mais partir d'un postulat que la densification est un péché, est une faute, c'est absurde. Encore une fois, quand on se balade dans les rues de Manhattan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « c'est moche, c'est trop dense ». Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça ? Personne. Donc,
je voudrais proposer cette idée. Je pense que la nouvelle étape, Patrick, et tous ceux qui avaient une responsabilité, c'est le Grand Paris du logement. Je voudrais lancer cette idée. Alors, José, bon. Pourquoi ? Parce qu'on construit mal, parce qu'on construit trop peu et parce qu'on construit trop cher. Et je pense que la deuxième étape du Grand Paris, je vois bien pourquoi la première étape, ça a d'abord été l'étape des transports. Je l'ai voulu, donc je ne suis pas contre. Mais, hein, n'est-ce pas, Christian, dans notre esprit, le Grand Paris n'a jamais été uniquement un Grand Paris des transports. Jamais nous n'avons pensé ça. Jamais, Maurice, nous ne l'avons dit. Sans transport, Anne, c'est vrai, Patrick, qu'on n'a pas le Grand Paris. Mais réduire le Grand Paris à 65 km ou à 54 km de transport, ça serait une erreur. Il faut maintenant se mettre sur le Grand Paris du logement. Vous allez avoir quelque chose comme 65 nouveaux quartiers avec toutes les gares, etc. Il faut les repenser, les restructurer. Et pour cela, s'imaginer que la densification en échange de la réhabilitation, de la restructuration et de la rénovation, c'est le pari gagnant. Voilà ce que je pense. C'est-à-dire que vous prenez des immeubles qui sont laids, qui sont en état délabrement, vous dites aux propriétaires, vous avez le droit, on vous donnera le droit de construire davantage qui fera des logements pour les gens, mais en échange, on veut une ambition architecturale. Qui peut être contre cela ? Mais c'est ça le Grand Paris. Et à ce moment-là, vous aurez réussi la ville nouvelle. Parce que on me dit, qu'est-ce que c'est qu'une ville heureuse ? J'en sais rien. Il y a des tas de villes que j'aime, elles sont différentes. Il ne s'agit pas de faire le bond de Singapour sur la Seine ou le bond de Shanghai sur la Marne. Ça n'a aucun sens. Mais ce Grand Paris du logement, c'est, me semble-t-il, une façon pour la population de s'approprier le Grand Paris. Enfin, parce que je ne veux pas être trop long et je ne veux pas lasser votre patience, qui gère le Grand Paris et comment on fait ? Dans mon esprit, les choses sont très claires. Le Grand Paris n'a une chance de réussir que si le président de la République lui-même s'y met. Je ne dis pas ça parce que c'est M. Macron ou parce que c'était moi hier ou demain qui vous voulez. Si le président de la République ne fait pas, peut-être un futur président de la République dans la salle, ça va. On ne sait jamais. Hein. D'ailleurs, ça serait curieux, compte tenu de toutes les ambitions, qu'il n'y en ait pas ici. Bon. Je me serais trompé en venant ici ce matin. Bon. Je suis déçu. Ça veut donc dire qu'on me fait parler devant des gens qui manquent d'ambition. Ben, dites donc, vous êtes rares. Bon. Si le président de la République ne s'y met pas lui-même, n'en fait pas lui-même son projet, c'est très difficile de réussir. Parce que dans le système institutionnel français, et c'est pas du tout qu'il faut passer au-dessus des élus, Patrick. J'ai été élu toute ma vie, donc je ne peux pas dire du mal des élus. Je respecte les élus, et pour moi, quelqu'un qui s'engage, c'est toujours mieux que quelqu'un qui reste sur l'Aventin. Bon. Mais la période de conception, de réalisation du Grand Paris, ou du Grand Lyon, ou du Grand Marseille, c'est l'État. Et l'État, dans l'expression suprême, le président de la République. Alors moi, j'avais choisi des ministres, très bon choix d'ailleurs, mais derrière, c'est pas faire insulte à Christian ou à Maurice de dire que j'étais là à chaque seconde en trouvant que ça allait pas assez vite, qu'il fallait plus vite et qu'il fallait plus d'ambition. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors ensuite, et j'ai toujours refusé, et je l'ai d'ailleurs dit à M. Macron, le mécano institutionnel. Pourquoi ? Parce que c'était la meilleure façon d'enliser les choses. Car naturellement qu'on ne peut pas passer au-dessus du maire de Paris. Que naturellement qu'il y a une région Île-de-France qui voulait dire son mot. Que naturellement il y a toutes les communes de la petite, de la grande couronne et les autres. Puisque dans mon esprit, le Grand Paris va au-delà des limites de la région de France. Mais si vous commencez à trancher dans ce millefeuille,
avant d'avoir réalisé, vous arrêtez le système. Parce que chacun a une possibilité de bloquer, même si personne n'a la possibilité de faire avancer. Donc une fois que les infrastructures du Grand Paris seront réalisées, la question qui va se poser, elle est très simple. Qui paye? Eh bien, je vais vous dire, celui qui payera décidera. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, faut-il, c'est un pavé que je lance, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui décide pour tout? Ou qu'une seule collectivité qui paye? Pas du tout. Tant qu'on construit, on continue le système qui a été trouvé et qui n'est pas si mal. Une fois que les infrastructures sont livrées, on décide au cas par cas quelle est la collectivité, quelle est la personnalité qui est la plus légitime ou qui est la plus à même de payer et de diriger. Et ainsi, vous aurez résolu le problème. Pourquoi trancher cette question de qui va gérer une infrastructure qui ne sera prête que dans 10 ans? C'est curieux. Ça amène quoi? Ça donne quoi? Du temps perdu, des polémiques et la désespérance d'une population qui n'en peut plus parce que ça n'avance pas. Voilà profondément ce que je pense. Je suis désolé d'avoir été trop long et certainement d'avoir lassé votre attention. Mais je termine avec ça. Le Grand Paris, c'est une façon d'aimer la France. Si on aime notre pays, on a de l'ambition pour lui. Avoir de l'ambition pour le Grand Paris, c'est avoir de l'ambition pour la France. Et je vois bien, tout n'est que dans la proximité, la protection de l'environnement, j'allais pas dire être normal, parce que ça, on a vu ce que ça donnait. Mais enfin, ça oui, on a vu. Bon. Mais en assurant la promotion de grands projets, on n'éloigne pas les gens de vous, les politiques. Moi, il n'y a pas plus éloigné de moi que les comités tirés au sort. Vous savez, prenez l'avion, ceux qui restent, et par souci démocratique et pour être dans le coup, on va tirer au sort celui des passagers qui va piloter. Va à l'hôpital, on tire au sort celui qui va vous opérer. Moi, je crois à la démocratie et aux élus. Si vous n'êtes pas content de vos élus, vous les changez à la prochaine élection. Mais tant qu'on est en démocratie, c'est les élus que vous avez choisis, pour qui vous avez voté, qui ont la légitimité pour décider et pour assumer leurs responsabilités et leurs ambitions. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler devant vous.